Maintenant, les cités du design administrent les territoires. Elles sont l'outil d'action territoriale, comme en leur temps le furent les préfectures. À la fois dématérialisée et physique, elle est désormais l'instance centrale de la politique publique des métropoles et de leur action. Les élus siègent dans les cités et produisent le cadre de vie en temps réel avec les associations, les habitants et les designers. Les cités du design sont elles-mêmes le siège rénové de toutes les assemblées citoyennes. La réversibilité prônée dans leur action écologique généralisée est ce qui prévaut à toutes leurs actions sur les territoires. Ce qui les oblige à une chaîne de réactions mêlant concertation, recherche fondamentale, débat public, transparence, vocation et expérimentation. Les usagers en tirent le plus grand bénéfice en étant les copropriétaires de la ville. Je ne sais où, mais je sais quand. Cela se passait au néolithique lorsqu'un groupe d'hommes et de femmes s'organisait pour un mode de vie collectif. En cette période lointaine, quand se posait la question d'arbitrer les choix techniques de la communauté, alors l'observation attentive des usages, la proposition débattue d'une solution et sa mise en forme réversible se réalisaient par ce qu'on dénommerait plus tard le design. Cette énergie singulière de la nage dans les turbulences s'accorde parfaitement à la radicalité du design. On ne parle pas ici du design qui vient de la capitale, du design des codes et des statuts. On parle du design d'un mode de vie dont la ville en renouvellement permanent serait l'espace expérimental et dont les habitants seraient les inventeurs. Merci Luce pour cette lecture et sélection de Né dans les fougères.
Le communiqué vient de tomber. Dans l'heure débutera le processus d'extraction de l'air ambiant et sans qualité. L'état exceptionnel est appliqué. La Cité du Design se charge de tout. Conseil ordre 4, système fermeture Oméga. Ne sortez pas des unités intérieures jusqu'aux applaudissements et cloches. Signaux jouissifs de la métropole rajeunie. Tous les services sont ouverts. Demain, ensemble, nous découvrirons cette nouvelle immatérialité qualifiée, le nouvel air. Présence spéciale pour vous sur les ondes, 60 heures de continuité. Il faut se précipiter dans le vide. Je fabrique le vide. Je suis un réacteur. Je me propulse dans l'espace-temps en créant un vide qui m'aspire en avant, toujours en avant. Entendez les tam-tams. Thank you.